Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va jouer à un jeu. D'accord? On va apprendre ensemble les jours de la semaine. Alors, on va jouer au jeu. On commence. Voilà, les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Commençons. On commence par lundi. D'abord. Deuxième jour, c'est quoi? Alors, il y a lundi. Oui, très bien, mardi. Après, c'est quoi? Jeudi? Non, 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 non. C'est pas jeudi. Mais mercredi. Mercredi. Après, c'est jeudi. D'accord? Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, il reste 3 jours. Dimanche? Non, non, non. C'est pas sa place. Samedi? Non, non, c'est pas sa place. Alors, c'est vendredi. Après, c'est samedi. Et enfin, c'est dimanche. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. On va faire un jeu. On va refaire ce jeu. Alors, commençons par le premier jour. Où est donc sa place? Oui, c'est très bien, c'est lundi. Et observez bien comment ça s'écrit lundi. D'accord? Pour ne pas vous tromper en écrivant. Après, c'est mardi. Troisième jour de la semaine, c'est mercredi. Mercredi. Alors, après, c'est jeudi. Très bien. Il reste 3 jours de la semaine. Alors, la fin de semaine, c'est vendredi. Et dimanche, c'est le dernier. Et avant, c'est samedi. Alors, bravo les enfants, vous avez bien. Alors, vous avez bien rangé les jours de la semaine ici. Alors, commençons par vendredi. On se trouve vendredi. Ici? Non. Ici? Non. Alors, vendredi, c'est le cinquième jour. C'est ici. Alors, où est donc samedi? Ici? Non, c'est pas le premier jour. Mais il vient après vendredi. Voilà, vendredi, c'est avant samedi. Il faut comprendre cela. Vendredi, c'est avant samedi. Et samedi vient après vendredi. Alors, le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. On déteste bien sûr le dimanche après-midi. C'est vraiment morne, triste. Mardi, c'est le deuxième jour. C'est fatigant mardi, hein? Mercredi, c'est un repos. C'est au milieu de la semaine. On aime bien mercredi parce qu'on va à l'école juste le matin, mais l'après-midi c'est libre. On aime beaucoup mercredi, c'est une sorte de pause. Jeudi, c'est vraiment du sport. Jeudi, c'est vraiment de l'animation. On aime beaucoup jeudi.
Et lundi, on déteste vraiment lundi, surtout le matin. C'est-à-dire, c'est fatigant de se réveiller le matin. Le lundi, donc, lundi, c'est vraiment le pire, surtout le matin. Voilà. À vous de jouer maintenant. Alors, samedi. Oui, c'est très bien. Mercredi. Bravo. C'est-à-dire troisième jour. Samedi, c'est sixième jour. C'est avant-dernier. Très bien, c'est le dernier jour. Oh, lundi, c'est le premier jour qu'on déteste vraiment. Mardi, c'est fatigant. Ah. Mercredi, on aime beaucoup parce que c'est une sorte de pause. On aime beaucoup. Vendredi, on aime beaucoup aussi parce que c'est le dernier jour de l'école. Jeudi, c'est un jour d'animation et aussi du sport. C'est vraiment juste. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. Bravo les enfants. On a bien appris les jours de la semaine, le classement du jour de la semaine et aussi l'écriture. Bravo. C'est pas la peine d'apprendre à compter jusqu'à 10. On a déjà appris avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour demain? Oui, on va apprendre à lire l'heure. On va apprendre à lire l'heure. C'est la première fois. Apprendre à lire l'heure. Voilà, c'est donc la première fois sur notre chaîne. Pour vous, les élèves de la classe, soit de la première classe, de la première classe CP, de la première année. C'est pas la peine de rejouer, c'est pas la peine de rejouer. Ça, c'est fini. À très bientôt.